Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Baldur's Gate 3, un jeu édité et développé par Larian Studio. La sortie française c'est le 3 août 2023, uniquement sur PC pour le moment, et ça sortira début septembre sur PlayStation, et il me semble un petit peu plus tard parce qu'il y a des soucis avec la Xbox Series S sur Xbox, comme je vous l'ai dit. Nous sommes là sur un RPG, jeu de rôle, je connais pas du tout la licence, je suis là pour découvrir. Ce qui est bien dans ce style de jeu, c'est que vous pouvez être un hardcore gamer et tout connaître, ça va être trop simple. Quelqu'un comme moi qui va découvrir ça et peut-être adorer, n'hésitez pas, si vous voulez laisser un petit like, eh bien merci à vous. Si vous avez des conseils à me donner, bah merci à vous. Et aussi, petite précision, comme vous avez pu le remarquer, on peut jouer en multijoueur, donc si vous avez des potes, c'est encore mieux. Allez, sans plus tarder, eh bien on est parti. Nous voilà sur l'outil de création qui m'a l'air totalement fou, parce que j'avais vu des vidéos sur ça, parce que le jeu était sorti en Early Access hein, depuis pas mal de temps, et des gens ont pu créer des choses, mais vraiment totalement fou. Là on a des origines différentes, bien sûr, après vous avez même les races différentes que vous pouvez choisir, des classes différentes, mais pour ça il faut que je fasse personnalisé, voilà. On a les humains, enfin, je vais pas tout vous citer, mais les nains, demi-elfes et tout, franchement, là, ça va être la folie. Je vais voir ce que je vais créer, parce que j'ai pas encore vraiment d'idée. Après, si vous n'avez pas d'idée non plus, vous pouvez créer aléatoirement. Voilà, ça fait... parfois, ça rend des... Ça fait des beaux personnages, tu vois. Tu sais pas quoi prendre, vraiment, là, tu vas avoir de quoi faire. Moi, je vais passer un petit moment, et je vous montrerai ma petite création.
Eh oui, c'est bien moi. Alors oui, j'ai créé un personnage assez particulier, une sorte de viking diabolique, tout ça. Parce qu'il y avait tellement, mais tellement de choses à faire. J'ai pas réussi à... Je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, quand j'ai trop de choix, bah, je sais pas quoi faire. Trop de choses. C'est ouf. La création qu'on te propose. Et là, je me suis dit en plus, c'est pas trop grave. C'est pour la découverte. Je peux créer un personnage barbare pour tester ça. Et si ça me plaît pas, au pire, je recommence l'intro. Tranquille. Enfin, sûr, elle est magnifique, l'intro. Pas le problème. On verra bien. Le combat, on va découvrir ça ensemble, comme ça ce sera de façon, la vidéo découverte sera vraiment axée combat. Alors le coup du pommeau, est-ce qu'on peut l'utiliser par exemple? Ok. 95%. Bon, bah, de toute façon on va le faire sur lui. Olé. C'est bon? Est-ce que tu peux faire autre chose? Main principale. Ah, tu peux peut-être le... Impossible? Non, mais je peux pas vouloir que tu cibles lui. Et toi, tu peux peut-être le terminer. Désolé, vous savez que moi, les jeux de comme ça, tactique, hein... Ah, on peut pas forcément aller jusqu'à lui. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre la fin au tour. Et ouais, oh la petite esquive. De toute façon, là, ça sera de se prendre la tête. Un coup simple, ça passe très bien. Et non, je suis pas maladroit. Alors, c'est tout un personnage, ouais, voilà. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là après juste à descendre, mais je vais garder mon personnage fouiller, bien sûr, et on prend tout, on revendra ça au premier marchand, ouvrir le menu, nanana. T'inquiète. Moi tout ce que je veux c'est avancer, voir de la cinématique, fouiller les gens. Alors par contre je vais pas tout fouiller non plus parce que bah, c'est une découverte, on est là pour passer 20-30 minutes ensemble, à la cool. Et je ferai le jeu complètement, proprement, en plein comme ligne de dialogue qu'on a pu avoir. J'ai pas tout choisi, moi je vais faire de mon côté. Et bien c'est ce que je ferai. Ah, pas par là. Ah, peut-être par ici. D'accord, moi je pensais qu'il allait découper, tu vois. Qu'il allait couper les petits filaments, mais pas du tout. Il y a les petites sauvegardes rapides qui font croire que le jeu freeze, mais en fait ça sauvegarde et tout. Il est joli, hein, franchement. Je suis assez étonné pour un jeu du style. D'accord. Activez le curseur. Oh non, j'aime bien comme ça. Après, je précise, je pense que ça se voit très bien. Je joue la manette. Parce que moi, je suis une personne qui préfère jouer la manette. Mais si vous préférez jouer
Clavier souris, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez jouer clavier souris, c'est vous qui décidez. Le temps presse, je dois filer. Attrapez le... Bah ouais, on est barbares, on a de la puissance. Vas-y. Non. Ouais. Nous, on n'est pas les plus intelligents, les barbares. C'est bien pour ça que j'en ai pris un. Là, tu sais quoi? Barbare jusqu'au bout. Lancer de dés, attention. 16, oh c'est pas mal ça. Plus 3 de force. Il fait 19. Et voilà. Vous avez vu? J'ai quand même réussi à la sauver. Ça va tranquille? Plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Shadowheart. One moment. It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. She's right. Lead on. Très bien, très bien. Au moins on l'a sauvé. On a gagné des points d'XP. Il n'y a pas d'autres personnes à sauver par hasard là. The man isn't dead, but he's totally unresponsive. Bah, j'avoue, j'aurais aimé le... J'aurais aimé le tuer, enfin abréger ses souffrances quoi. Bon, allez. On peut y aller, logiquement c'est par là. Ne vous inquiétez pas une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit, je recommencerai le jeu dans mon coin et... Je ferai tous les dialogues, je ferai tout bien. Là, je me sens un peu pressé parce que... compliqué de faire une vidéo qui est longue. Maintenant, les gens sont habitués à voir des vidéos assez courtes. Genre entre, allez, 10 et 20 minutes, c'est déjà très long. Alors, quand vous dépassez 30 minutes, là, c'est... Vous imaginez pas. Je peux sortir d'ici. Oh là là! Très bien, très bien. Par contre, je vais pas vous mentir, j'ai du mal à tout bien comprendre que, vu que je connais pas de façon claire, excusez-moi, claire et limpide, attaque à distance. On peut tenter attaque à distance, peut-être. Parfait, ça. Oui, comme je dis, ouais, je connais pas trop le jeu ni le lore de Baldur's Gate. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de faire, lui? Alors toi, un coup basique, par contre, je m'en doutais qu'il allait pas taper aussi fort que je le voulais. Il a pas non plus pu faire une fin de tour. Et elle a quoi comme arme? Ouais, c'est une guerrière, donc ça lui fera pas si mal que ça. Mais je compte quand même sur elle. C'est bon. Voilà, bien joué. Il en reste à droite. On peut faire la... On peut avancer un petit peu. Et ensuite, on va aller de la fin du tour. Ah ouais. Nous avons 3 difficultés. Pour ceux qui se poseraient la question, on a 3 niveaux de difficulté. On a facile, normal et difficile. Moi, j'ai choisi de rester en normal. Allez. Ne vous inquiétez pas. À la fin du tour. Après les jeux comme ça, il faut réfléchir un peu dans les déplacements. C'est pas les jeux où je suis le meilleur. Ça se voit. Il y a plein de trucs que je dois faire mal là.
Est-ce que j'ai des conseils pour que je m'améliore ? Je suis vraiment très très preneur. Ouais, 85%. Parfait. On peut avancer jusqu'ici. J'arrive. Ne. On n'a pas assez de ressources. C'est quoi ça là ? T'as pas une attaque particulière ? La rage. Ça sert à quoi ? D'accord. Mais là, il voudra pas attaquer. C'est dommage. Par contre, elle, elle a que 30%. Par contre, s'il vous plaît, merci. 30% attaqué, déguisement. On peut donner de la vie. Bénédiction. Bon, bah, tu sais quoi ? Le coup principal. On y va tous. Allez, tous sur lui là. T'inquiète. Toujours à distance, elle. Par contre, c'est vrai que le taux est. Il est pas foufou, hein. Après, ils. Ah, ils veulent qu'on le laisse. Mais non. Attendez. C'est que lui, il veut qu'on aille là-bas. Mais est-ce qu'on peut le. Est-ce qu'on peut le battre? Moi, je suis curieux, tu vois, de savoir. Ouais, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression. Ouais, j'ai vite changé d'avis, hein. D'accord. Je suis la personne qui change le plus vite d'avis. Oh bah, je vous laisse vous en occuper entre vous. Hein. Chacun son souci. Passons à un moment. Il va réussir. J'arrive, mes enfants. Oh là là. Oh là, oh le facochère. Oh, poup, poup, poup. S'il vous plaît. Calmez-vous. Par contre, ça fait. Il y a pas mal d'esquives quand même dans le jeu. Hein. Tiens, mange-toi ça. On va pas attaquer une deuxième fois. Quoi qu'il arrive, la deuxième fois, c'est mort. Donc ça, on peut enlever. Lui, il va vouloir s'approcher. Alors, ça va être une bataille au corps à corps. Bien joué. Et ça me plaît bien. La main principale. Moi, je sais pas pourquoi avec. Attends. Tire dans la cuisse. J'ai envie de toujours attaquer à distance. 85, il lui a combien de pourcentage ? C'est quoi ? Allez. Je vais tirer une deuxième fois ou non ? Impossible. Alors. Je passe le tour avec elle. LB. Il y avait un truc qui disait radical, je sais pas quoi là. Applique l'état, vous blessez davantage de tests, ok. Lacération. J'ai envie de tester. D'accord. On testera une prochaine fois. Pourquoi tu veux pas. Avec. Ah, peut-être qu'il était déjà. D'accord. Ah, mais je suis vraiment. Je suis pas attentif à ce qui se passe. C'est ça mon souci. C'est que je vois ce qui se déroule. Mais j'avoue, je suis un peu fatigué. Bon, c'est pas une excuse. Parce que même si j'étais pas fatigué, je ferais quand même ces erreurs. Oh bah lui, voilà. J'avoue, on a mis un peu trop de temps. Ça fait. D'accord. Ah, il y a même des gens derrière, d'accord. On a pris un peu trop de temps. Au moins, c'est bien dans cette vidéo, vous verrez que bah, c'est possible de. Que la personne se fasse. On peut pas aller plus loin, forcément. Il nous reste combien de vie à lui ? Ah ouais, quand même. Hein. Va le plus loin possible, allez-y, allez-y, allez-y. Tu peux y aller ? Non ? D'accord. Bah, va le plus loin possible, c'est pas grave. Au moins, toi, il va pas te toucher. S'il vous plaît, les. Oh là là. Évacuons, évacuons.
S'il vous plaît, laissez-nous en paix. À l'agonie, certains membres du groupe tombent, ils se retrouvent à l'agonie dans cet état, ils décident entre la vie et la mort. Il a foutu un jeu de sauvegarde. Oh, t'inquiète, de toute façon, comme j'ai dit, c'est pas ma. Attendez, on va quand même essayer de l'aider. Si c'est possible. Voilà. De toute façon, lui, il pourra pas aller ici. Ok. Toi. On te demande. C'est une potion de guérison. Tu peux te mettre bien. Voilà, parfait. Et toi, t'arrêtes tout ça maintenant. Je vais pas vous mentir, j'ai pas forcément tout compris à ce qui s'est passé. C'est vraiment un film, c'est incroyable comment c'est bien fait. Voilà, j'ai pas les mots, parce que c'est bien fait. C'est juste dommage que ce soit un petit peu, vous voyez, du tactique tout par tour. Parce que je suis pas forcément bon à ça. J'aurais préféré que ce soit un peu plus action, disons. Après, c'est le style qui veut ça. Plus je vais avancer, plus je vais m'améliorer, je pense. En plus, ça peut jouer en multijoueur, donc je vais pouvoir jouer avec des potes, pourquoi pas. Des gens qui savent mieux jouer que moi. Pour qu'ils m'apprennent, j'ai compris. On va s'arrêter là pour la vidéo découverte. J'espère que mes alliés sont en vie, que vous, bah vous ayez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.